Bonsoir tout le monde, non pas c'est Yvenson Franck qui est moins content avec vous pour présenter une nouvelle toute journée. Hein. Sans perdre du temps, mes grands titres. Mais puis grand point cap dominé actualité à Poissoya, président République la Jovenel Moïse, ministre Travaux publics, Transport et Communication Fritz Kayo et puis directeur général EDH là Hervé Pierre Louis visité mercredi 11 avril là sous-station électrique Tabar dans cadre disposition qui prend pour tabli électricité 24 sous 24 dans pays. Travail construction, route anneau en Savo lancé. Travail ça fait dans le cadre caravane changement. Une initiative population applaudie. Dans le cadre de caravane changement, gain divers travail, réhabilitation route, bétonnage, asphaltage qui a fait dans différentes zones dans la capitale là. D'après porte-parole la présidence là, Tamara Orion, ensemble avec responsable TPTC dans l'Ouest. Président République là, Jovenel Moïse Abral participé dans 8e sommet Amérique là, 13 à 14 avril, sous thème gouvernance démocratique face à la corruption dans le pays Pérou. Chef l'État a quitté le pays à demain jeudi 12 avril là, d'après porte-parole la présidence Avenid Joseph. L'autre point, organisateur 8e sommet international sous financement réalisé mardi 10 avril, la traditionnelle soirée pour distinguer personnalité et institution dans le secteur financement. Robert Parrette Junior, caisse populaire Sainte-Anne, Unibank, c'est quelque parmi personnalités et institutions qui recevront distinction à Nessa. Et puis, dans l'actualité internationale, là, environ 257 monde a perdu la vie dans un accident avion militaire transport algérien qui crasait mercredi 11 avril. Là. C'est pour ça qu'un pilote nous a développé pour vous, pas débranché, Naptounet. Merci pour fidélité avec Télévision Nationale d'Haïti. Rapidement, nous allons voir comment conditions temps avec collaborateur nous, Wilner Polidor. Bonsoir à tous et à toutes. C'est un plaisir pour nous ensemble aujourd'hui pour prévision météorologique soirée. On a vu comment la situation est sous bassin et sous région Caraïbes. Nous avons malgré zone de haute pression qui centre sur l'Atlantique Nord, sur l'Atlantique Nord, mais nous avons instabilité avec humidité qui dans la façade ouest région cap influencé majorité département qui trouvait dans zone ça, c'est-à-dire département nord-ouest avec sud-ouest, et le sud-ouest, nous veut dire Grenance, après bas instabilité et la pluie au cours de Assoya et même pendant nuit là. Et la pluie, ça a concerné plusieurs départements, c'est département nord-ouest avec Sainte-Artibonite et puis Grenance avec sud, à la rigueur sud-est et l'ouest en soirée et au cours de nuit là. Et la pluie, ça a persisté pour jeudi à demain et après demain. Pour capital avec zone qui est environnée de son capital Cap Jouy qui en bas instabilité, ça veut dire qu'il y a nuage avec la pluie pour Assoya et au cours de nuit là, et la pluie ça va supposer persister jusqu'à demain aussi. Et nous avons une température qui est montée jeudi à jusqu'à 35 degrés, elle fait très chaud. Et puis la descente dans la nuit là, c'est 22 degrés et 22 degrés a aussi la fait chaud pendant nuit là. Poupage maritime là, c'est une mer qui agite sous côte nord et côte sud pays d'Haïti. Et le fait que nous prévoyons actifs de la pluie, visibilité a réduit. C'est pour ça que demandé capitaine embarcation, précaution avec prudence parce que la mer n'a pas agité la côte nord et côte sud pays d'Haïti. Même si Golfe de la Gonavla peut agiter, mais par rapport avec la pluie qui a tombé, il faut prendre pile précaution. Et pour page astronomique, là, soyez la couche jeudi à 7h05 et la pleuve demain matin à 6h34. Minutes. C'est tout ce que nous avons pour la situation météorologique pour soirée. Merci pour la fidélité avec attention. Nous allons croiser demain pour une autre page météorologique. Jean nous a annoncé l'antitio au président de la République, là, Jovenel Moïse, avancé dans le cadre de projet pour établir l'électricité dans le pays à 24 sous 24. Chef de l'État fait une visite information mercredi 11 avril. Là.
dans sous station en commune Tabar, une site moderne pays à gagner. Chef l'État qui te gagne avec lui, ministre travaux publics là à communication, Fritz Caillot et puis directeur général EDH là, Hervé Pierre lui, annoncé toute une série démarches administration l'an a fait pour assurer réussite projet distribution courant dans pays. Reportage Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duvernay. Sous station Tabar là pas produit courant électrique. Mais il joue un rôle transformateur qui permet de contrôler la tension courant qui entre dans les consommateurs. Non, poste ça là. Puisque vous avez une sortie là-dedans, ça veut dire que vous passez en souterrain, il y a 6, mais vous êtes sous le béton là, en bas, il y a levé là, et puis l'autre deux, mais côté, il y a levé là. Donc ça, à travers le poste, dans l'alimentation industrielle, industriel, nous avons une route tabac ou aéroport. Pour lui, nous allons entrer dans la salle de commandement pour nous montrer mais comment et c'est plus rapide. Visite ça permet chef l'État de comprendre plus bien fonctionnement sous station ça qui a une capacité 48 MW courant, li équipé à matériel moderne. Président républicain Jovenel Moïse dit qu'il travaille pour mettre 3 lots sous station comme ça dans la zone métropolitaine. Sous station ça, que nous la donnons, d'après information que les techniciens ont sur le banc, il y a une capacité capable de recevoir jusqu'à 48 MW. Et dans Port-au-Prince, nous avons besoin de 12 comme ça. Nous avons déjà sous-station ça qui est une sous-station tout neuf, on dit, dans le plan continuité de l'État, son sous-station qui pratiquement qui était fini depuis 2015, c'est l'administration du président Matéli qui a fait. Avec dit, jeudi, son sous-station qui était coûté l'État, ici 16 millions de dollars, c'est ça. Jeudi, nous-mêmes, nous travaillons pour que nous ayons 3 autres sous-stations comme ça qui construit dans la zone métropolitaine. Tout neuf. Et il y a 8 autres sous-stations qui méritaient pour réhabiliter, ça veut dire pour nous mettre dans les mêmes conditions avec sous-station ça. Pour nous venir 12 sous-stations comme ça dans la zone métropolitaine. Pour leur nous dire que la zone a besoin de 600 MW là. Nous tous comprenons, nous avons essayé de multiplier 48 MW multiplié par 12. Nous avons un chiffre qui besoin. Ça veut dire que sous-station ça, c'est eux-mêmes qui là pour recevoir. Courant, c'est un coup de sorte de filtre, ça veut dire que l'eau a privé, les rivets sales, mais le bon côté faut le filtrer avant de faire le boubouel. Elle disait même gens, sous station ça, courant ça, qui saute pelic, ça saute cafou, ça saute navarre, ça saute hypawe, tout entre là. Population en sous route pour joindre l'électricité à 24 sur 24, mais tout effort ça a demandé un sacrifice. Comme quoi, il faut que les gens qui utilisent le courant, d'accord payer pour ce service là, pour permettre l'État de joindre les moyens pour faire entretien et équipement. Mais le problème, je ne dis toujours, pour nous mettre courant dans le pays, ou même quand nous gardons, il faut payer le courant. Et EDH font un gros effort. Nous songeons là, nous prenons investissement, nous avons environ moins que 30% de capacité de recouvrement. Je dis, nouvelle que nous avons, EDH, il y a 51%. Et nous travaillons pour d'ici fin d'année, pour nous arriver entre 65 et 75%. C'est rêve ça nous gagne, ça veut dire pour le monde dans le pays à payer courant. Parce que si vous avez besoin de courant 24 sur 24, ce n'est pas arrêter pour être dans mauvaise pratique, pour arrêter pour payer le monde sous-côté. Le monde nous paye sous-côté qui vous au courant, côté le jeune. C'est qu'on aide à acheter le volet, les vins vendre. Je dis, on a dit tout le monde qui a fait voler courant, on a travaillé pour une législation qui fait pour ça, pour l'heure que mon monde dans ça, pour un problème avec la justice. Parce que courant, dans tout pays sous la terre, il n'est pas gratis. Et en Haïti, il n'est pas gratis tout. Président Jovenel Moïse a avancé à grands pas dans quatre projets pour établir courant dans le pays d'ici 16 mois qu'il vient là. Dans le jour qu'il vient là, le responsable pour lancer appel à Manifomune. Ministre intérieur collectivité territoriale Max Rodolphe Saint-Albin, accompagné avec Palmontaine Ipio, lancé travail à construction route anneau dans la commune Ansavo. Travail ça a rentré dans le cadre caravane changement. Reportage Anne-Marguerite Auguste. Tronçon route ça a bien pour sortir dans la ville Ansavo, passer anneau, l'asile, vieux Boudakin, pour arriver à connecter département NIP avec département sud là. Directeur départemental MTPTC Niplan, Jean-Wilson Augustin, fait qu'on ait appris environ une année pour construire route ça. Il commence en Savo, dans le bourg dans la ville à Savo, il passe dans la ville Arnaud, commune d'Arnaud, il prend l'asile, ville l'asile, et puis il descend sur le Boudakin pour le connecter avec RN2A. D'un coup, il connecte le département, commune en Savo avec commune Arnaud, commune Arnaud avec commune l'asile.
et d'un coup, n'a connecté département NIP avec département Sud. Ministre intérieur à collectivité territoriale là, Dr Max Rudolph Saint-Albin, expliquer réalisation travail ça fait partie engagement chef l'état te prend dans campagne électorale li pour tourner vote là by peuple haïtien sous forme service. Délégué départemental Niplan Givard Labé croit construction route ça pour aider améliorer condition la vie moun dans zone nan. Li fait connait route considérée comme un nan moteur développement yon pays. Caravane Josia, nous nan savon, nous pour aller en eau, nous pour l'asile. Pour nous vivre vieux boudakin, je veux dire nous, pour l'autre côté, prends cœur, moi connais nous impatients, mais prends patience, président Jovenel te promet nous, caravane na privé dans tout département. La priorité à Kounyen, c'est relier aux communes, une à l'autre, côté qui pas jamais gagner route, commune qui pas jamais communiquer une à l'autre pour sa fête. Et ensuite, pour Jean-Président te promettre, nous pas besoin de fatiguer, nous pas connecter section yo avec nous-mêmes. Eh bien, jodia, c'est quelque chose de tangible, de visible, ou ka gade le well et ou gade lancement fait. Matériaux sa yo, c'est pas bagay qui imaginaire. C'est des engins lourds qui là devant yeux tout le monde. C'est pour dire président ça, c'est pas un président qui vient pour le parler. Son président qui vient non seulement la parler mais la poser des actions concrètes. Et on croit c'est sa population ça t'attend. Une population qui marginalisée, qui toujours a souffri, qui toujours dans l'oubli. Eh bien nous gagnons un gouvernement qui coiffé par Premier ministre Lafontaine et président Jovenel qui dit peuple là, l'île pour nous suspendre rêver, li mener réalité à bayo. Parlementaire Nipio salue initiative ça, président République l'apprend pour ouvrir route dans tout côté qui gain espace pour ça dans pays a. Yo croit avec travail qu'a fait dans route yo, plusieurs monde a privé joindre travail, ça qui pral porter une autre amélioration dans condition la vie monde qui vivent dans zone ça yo. Nous parti avec ça et nous pensons que nous pral travail pour n'en aborder l'autre problème parce que c'est pas seulement route en savo l'asile la gagne. Faut que nous penchions sur route Titou Baradère, sur route, faut que nous penchions sur route Baradère, Plaisance, l'asile. Nous pensons que tout ça est inscrit déjà dans le plan d'action. Hein? C'est dans notre président de la République, M. Jovenel Moïse, qui, dans le camp Ali, nous avons accompagné. Sans goutte, nous avons décidé de dépenser pour que nous avons un savoir, nous avons un asile, le département de la République, respect ça. Respect ça, c'est le budget qui nous a voté. Ils ont été baptisés le budget criminel. Et je dis, nous prenons responsabilité. Nous avons dit oui, nous votons parce que c'est un budget qui va faire changement. Construction route ça fait partie du programme politique du président Jovenel Moïse pour réparer et construire route dans tout le pays. Dans l'idée pour rêver connecter tout département yon ak lot. Ça a facilité aller venir dans le marché départemental et interdépartemental. L'autre nouvelle dans le journal là, porte-parole la présidence là, Tamara Orion, accompagnée directrice départementale l'Ouest Travaux Publics là, Yannick Théodore, présenté ensemble réalisation caravane changement. Directrice départementale l'Ouest Travaux Publics là dit, gain plusieurs travail, réhabilitation route, bétonnage, asphaltage qui déjà a commencé dans plusieurs communes dans le département l'Ouest. Tamara Orion expliqué, travail kirage canal, mise en place centre gémoplace a continué pendant caravane l'an. Porte-parole, la présidence l'a précisé, EPPLS a déjà construit 129 cailles dans fond rouge, 52 lots dans les Irois et 54 cailles dans commune Roseau. Yon extrait dans micro Falland Delphan avec Hervé Pierre. Dans le département de l'Ouest, caravane changement a commencé déjà. Il a commencé sous 20 communes, nous déjà travaillons sous 11 communes. 11 communes ont travaillé déjà, c'est Orcaé, Léogane, Croix-des-Bouquets, Tabor, Kinskoff, Cornillon, Cité-Soleil et Carrefour. Reste 9 communes, nous bien pour intervenir sur après parce que nous n'avons pas fait tout en même temps. Dans Cornillon, nous commençons à faire élargissement de route, nous faisons le profilage. Chaussée a fait terrassement, ça veut dire déjà qu'il y a moins d'accidents sur la route de Cognon. Dans Orcaillé,
n'a fait réfection chaussée dans où que les rue Jérusalem dans Ocaier nous déjà fait caniveau qu'on a commencé fait terrassement dans tabac nous fait élargissement route Clercine quoi des bouquets n'a travaillé dans la tremblée 12 une route qui est les routes de Turbe dans Keskov n'a travaillé Fursi n'a fait réhabilitation de chaussée en Adoquin. Dans Léogane, n'a travaillé dans route d'Orbonne, n'a travaillé dans route Mélier. Toujours dans quatre caravanes, il y a un travail de labourage qui est fait dans plusieurs parcelles et pour agriculteurs dans plusieurs communes, notamment dans la commune Croix-des-Bouquets, dans Petit Gouave, dans Léogane, dans Tomazo. Et il y a tout travail de labourage qui est fait tout dans NIP, dans Savo et également dans Miragouane. Et dans le département centre, il y a un travail qui est fait tout au niveau de Mirbalet, côté il y a 174 hectares de terre labourés. Et dans la distribution de semences, il y a 20 tonnes de semences du riz que le ministère de l'Agriculture distribue dans le département sud. Dans ce qui concerne Rivière, le travail qui a fait, il y a plusieurs travaux de réhabilitation de murs en gabion qui sont fait dans Bananier, là nous dans le département sud, dans Rivière la Ravine du Sud. Il y a un travail tout d'endiguement, brèche tout au long, fleuve l'Artibonite là qui commençait et déjà au monde qui est dans la 5e section Bogozel, dans ces mac déjà ouais travail ça y a. Question coopérative agricole, il y a tout, il y a 12 coopératives agricoles et il y a continué le processus encadrement, il y a un travail de labourage qui a fait pour eux, il y a une mobilisation pour campagne agricole printemps et dans le cadre de canaux d'irrigation, le ministère de l'Agriculture fait curage dans plusieurs canaux, notamment dans des dunes, dans le canal Fossé d'Abot Ouest, dans le curage Drain Ferme Cova, et également il y a un travail curage qui fait tout dans des dunes. Et le ministère de l'Environnement a continué toujours avec le processus centre de germoplation, c'est dans ce sens à tout, il y a identification de sites pour construction centre de germoplation qui a fait notamment dans le département du centre et l'Artibonite, et également EPPLS, même tout dans Caravane, puisque il y a plusieurs cailles qui en construction déjà dans la commune Font Rouge, il y a 129 cailles qui construit, il y a tout dans la commune Roseau, il y a 54 cailles qui pourraient construire. Gagné tout dans la commune Corail, gagné 52 cailles qui prévoit construire et également gagné 52 cailles qui prévoit construire toujours dans les Iwa. Président République la Jovenel Moïse a bien pour quitter pays à jeudi 12 avril là côté le bras participer dans 8e sommet Amérique là qui a fait 13 à 14 avril dans pays Pérou. Sommet ça a déroulé sous thème gouvernance démocratique face à la corruption. En suivre précision porte-parole de la présidence Avnid Joseph non micro Falande Delphin à Hervé Pierre. La gouvernance démocratique face à la corruption, c'est thème ça qui kembe pour un grand événement ça. Objectif général en sommet, c'est réunir les chefs d'État et de gouvernement de la région 35 au total en vue de prendre des décisions sur des questions politiques importantes pour la région et autour d'un thème de discussion que pays hôtelant qui s'est Pérou est proposé par rapport avec agenda régional. En guise de retombée pour Haïti, le président de la République a profité de l'activité ça pour le faire des rencontres bilatérales et multilatéral avec un homologue Lio dans l'idée pour être capable mieux lutter contre fléau ça dans le pays d'Haïti. Et sommet en tout la offrir aux participants l'occasion pour rejoindre un consensus pour une action durable et significative dans le combat à mener contre la corruption. A gagné des réunions bilatérales entre la première dame de la République d'Haïti, Martine Moïse, et son homologue du Pérou, Madame Maribel Diaz Cabello. Et activité ça a fait au palais du gouvernement le 13 avril 2018 à 12h30. L'autre dossier organisateur 8e sommet international sous financement réalisé mardi 10 avril là, traditionnelle soirée pour honorer personnalités et institutions dans le secteur financement. Soirée distinction ça a été occasion pour Robert Parette Junior rentrer dans la galerie financement. Yon idée sous Jean Soirée à Teye ak Ansi Mars ak Junior Avril. Chez la Loudia Florentin, recevoir placonné ak Meritsa pour application la leadership li pouvait dans travail li.
Premier poste li nan Unibank, c'est sous caisse. Depuis les ça, Sheila continue à prendre grade côté Jodia, lycée directrice crédit commercial. Sheila lui dit à Florentin quoi connaissance, formation, opportunité, c'est formule qui est délivrée là pendant 15 années travail dans Unibank. En recevant ce prix de la jeune femme professionnelle du secteur bancaire haïtien, je suis animée d'un sentiment de joie, mêlé de fierté, mais surtout de gratitude. Mes remerciements vont d'abord à l'endroit des responsables du groupe Poissance, de la BRH et de Profin pour cette belle initiative que représente le sommet de la finance. Ensuite, je dis un grand merci aux administrateurs de la Unibank pour avoir arrêté leur choix sur ma personne pour recevoir cette distinction, signe d'encouragement et témoignage de leur confiance. Ce choix a dû être difficile vu les nombreux collaborateurs, collaboratrices, cadres à la Unibank qui s'évertuent chaque jour à donner le meilleur d'eux-mêmes. Je profite pour les saluer. C'est bien ce sentiment qui guide le choix de la banque d'investir dans la formation continue des collaborateurs. Merci à la Unibank de contribuer ainsi à l'avancement professionnel et à l'épanouissement de ses collaborateurs. J'ai également une pensée toute particulière pour mes parents qui n'ont jamais ménagé leurs efforts pour m'accompagner et me supporter. Merci. Unibank, Banque Nationale Crédit, Sogé Bank, recevoir plaque honneur et mérite pour sa reporter dans le secteur de la banque là dans le pays. Capo Sac, dans Camperin, honoré pendant soirée ça pour 69 l'année, y a bail service en domaine coopératif là dans le département SID. Focus soirée, c'est après sous Robert Paret Junior qui vient rentrer dans la galerie Honneur Finance là. Soirée traditionnelle hommage dans l'occasion sommet international sous finance là. Pour 8e édition, c'était occasion pour Zami, collaborateur groupe Croissance, qui honoré PDG groupe Croissance là, Kisner Farel. La fois qu'on est, 8e édition sommet international sous finance à 3e édition FinTech Lab va poursuivre dans Pétionville. Pour 3e journée, mercredi 11 avril, l'activité déroulée sous finance publique. 8e édition sommet international sous finance là, qui a démarré lundi 9 avril là, à bout 14 avril, Cap Vinila. Yon compte rendu, Rachel Saint-Fort et Henri Robert Chéri. Présenter réalité pays a mobilisé différents acteurs dans le secteur agricole et financier sous problème pays a fait face. Permettre de gagner information, permettre de prendre bon genre décision, améliorer conditions la vie population. C'est parmi objectif 8e édition sommet international sous finance. Pendant le déroulement sommet, organisateurs ont fait connaître déjà rencontré acteurs en question électricité, agriculture et puis parlementaire. Pour 3e journée, activité au Téchita sous finance publique. Troisième journée sommet en général c'est sur finance publique. Nous avons commencé avec une activité depuis New York. Gagné Nations Unies, qu'on connaît qui gagne objectif développement durable. Yo averti pays tant que Haïti que pas de possibilité c'est appui budgétaire, c'est international qui va faire développement qui pour atteindre objectif développement durable. Il faut qu'on capable nous même dégager pour augmenter les ressources domestiques, les ressources locales. Et souligner nous que en moyenne, pays qui pauvre, on a seulement 13% de pression fiscale. Ça veut dire que sur chaque 100 gouttes que vous avez, ce n'est pas taxe, nouvelle taxe, non. C'est seulement 13 gouttes que le pays a eu. Haïti, année ça, 12,70. Dans l'occasion, l'économiste Christian Farel parlait de ensemble problème pays a rencontré, tant que corruption, inefficacité, problème évasion fiscale. L'invité acteur concerné a réfléchi sur problème ça. Dans l'idée pour augmenter les ressources domestiques, locales et puis pression fiscale pour permettre l'État d'avoir plus de ressources pour bailler la population en service. L'État a trois façons de rentrer comme dans la caisse. C'est les ressources domestiques, il y a le DGI. Le budget, c'est un budget de 144 milliards de gouttes, mais l'État est capable de rentrer seulement 93 milliards de gouttes pour qu'on parle. 93 milliards de gouttes, ça, comment l'État rentre? DGI peut rentrer 73 milliards. Ensuite, la douane a rentré seulement 19 milliards. Lorsque vous avez un budget de 54 milliards de gouttes, vous avez 93 milliards de gouttes, donc vous allez obliger à retenir 24 milliards de gouttes de dons et d'assistance internationale. C'est ça l'appui budgétaire. Là encore, dans 24 milliards de gouttes, là, c'est seulement 3 milliards qui passent dans l'État. 21 milliards, c'est international qui a décidé à travers des ONG pour le dépenser comme ça. Si vous faites 93 plus 24, vous pouvez arriver à 54 là.
qu'on parle de financement budgétaire, là c'est troisième source là qui pose un problème pour nous. Et très souvent c'est obligé dans la banque centrale là, leur banque comme ça va le prêter. Et c'est lui qui a la pression sur la monnaie nationale là, parce que chaque fois que l'État pas comme lui prêter la banque centrale là, c'est good que la banque centrale là lui-même met dehors. Et comme pas gagne dollar qui a rentré à cause du déficit balance commercial là, il va créer pression sur good là par rapport à dollar. Contrôler déficit budgétaire, réduire déficit balance commercial, c'est sous thématique ça au sommet à Pichita à Nissa. Pour améliorer conditions la vie population, responsabilité quoi? Faut gagner investissement public. Pays a de produire plus et puis importer moins. L'autre point dans l'actualité, porte-parole la présidence Lucien Jura dans l'intervention parlé sous importance état généraux sectoriel nation et gagnant pour administration Moïse Lan. Dans l'autre bord, Lucien Jura mandé population arrêter patient non ça qui gain pourrait avec prochain remaniement ministériel là. D'après Lucien Jura, remaniement pas bral déranger programme développement administration Moïse à gouvernement Lafontaine pour améliorer conditions vie population. Un extrait dans Falande Delphin avec Hervé Pierre. État généraux sectoriel de la nation répond à une promesse de campagne du président de la République. C'est espace par excellence côté que chef de l'État a pensé que tout haïtien dans tout secteur capable chita parler pour nous définir qui côté nous là la pays. Le président de la République, le premier d'entre nous tous, lui convaincu d'un bagage, lui même seul. Il n'est pas capable de faire face à un ensemble de défis qui sont là, même s'il est le chef de l'État. Dans la concertation, il faut que nous entendions, parce qu'il y a trop de déchirements, il y a trop de zizanies, il y a trop de points, nous ne pouvons pas entendre ce lit. Et seul côté nous cachita pour nous poser des accords, pour nous mettre d'accord sur le côté de notre pays, dans 25 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, c'est dans le dialogue. Et c'est ça qui fait, la voix. Alors qu'au niveau du cabinet de la présidence, il y a une pile disposition qui prend pour que l'État généraux sectoriel de la nation ait lancé déjà le 7 février, eh bien, on a attendu jusqu'à la fin du mois de mars. Pour quelle raison? C'est parce que chantier ça est trop important. Il est trop important pour le pays, il est trop important pour le président de la République, là, pour que c'est un dossier qui est abordé avec la moindre légèreté. C'est ça que fait toute personnalité qui t'a contacté au niveau du cabinet de la présidence, nous te prend le soin pour nous te peser, sous-peser et assurer pas qu'il n'y ait aucun manquement dans la procédure d'invitation, ni aucun manquement en termes d'inélégance dans l'approche, pour nous te capable de certain que tout désigné, nous te répondre volontairement ou autour de la table. Est-ce que le changement ou remaniement du cabinet ministériel, ça veut dire que l'équipe a mal joué? Pas forcément. Mais à chaque fois que l'objectif visé, nous estimons que nous avons atteint nos délais qui sont courts, à chaque fois que nous estimons que y a de nouvelles stratégies qui doivent adopter pour que nous arrivions plus vite, eh bien, ça est capable de motiver le chef de l'État. Je dis en Abdou qu'il y a des discussions en profondeur qui sont faites au plus haut niveau de l'exécutif, ou est comment effectivement nous sommes capables d'arriver à un formatage, un nouvel formatage du cabinet ministériel qui permet nous capables d'aller plus bien et plus vite en besogne, conformément à la vision et aux objectifs du président de la République. Nous allons observer une pause publicitaire dans le journal là, arrêtez branché, Naptoune, dans un petit moment. L'actualité après poursuivre sous télévision nationale d'Haïti, chef l'État Jovenel Moïse visité mercredi 11 avril la chantier cap fait pour reconstruire palais national. Dans l'occasion, chef l'État a mandé responsable dans collectivité yo pour yo prendre bon Jean Mézi construction caille pour éviter même dégâts tremblement de terre 12 janvier 2010 là. Reportage Falland Delphin avec Hervé Pierre. Études géophysiques ont prouvé sol qui dans zone chaudement cela composé en majorité avec différents types de gel. Selon directeur laboratoire national géotechnique TPTCA Guy Fritz Joseph, sol là pas trop fiable. Cependant, c'est un site qui est contrôlable dans ça qui gagne ouais à crise sismique d'après précision. Site ça son site qui est classé C selon norme IBC International Building Code.
ça avec code ça nous même nous travaille. Nature terrain ça en tout cas c'est une nature de terrain qui en partie argileuse. Li gagne en descendant là on rencontre plusieurs couches. Nous gagne des couches qui c'est argile, nous gagne des couches qui c'est argile marneuse, nous gagne des couches qui c'est argile limoneuse jusqu'à profondeur 30 mètres que nous et atteignent déjà là. Résultat favorable à projet. Ministre PTCA, ingénieur Fritz Kayo, mettait accent sur l'intervention de l'État dans l'étude qu'a faite pour reconstruction par les nationales. Quel que soit le bâtiment qu'on construit, on est obligé de faire une étude géotechnique. Ces études ça permettent que l'on soit sous-dimensionné le bâtiment que j'ai pour faire. Et ça a une importance encore, parce que nous, on vous dit, l'État prend charge. Nous, c'est le laboratoire national qui a fait l'étude, ce n'est pas un. Institution privée qu'a fait. Et même nous voyons que qu'on y a nous plusieurs ressources de l'État, ces ressources ça au niveau du laboratoire national, au niveau du ministère des Travaux publics qui en accompagne, on prend toute équipe pour faire pour nous construire par le national pour montrer que nous même l'État je vous dis nous prend charge. Président République la Jovenel Moïse parlait sous compétence plusieurs cas d'haïtiens dans le domaine là. Pendant le rete quoi important pour professionnels yo vinn appliquer ça yo été apprendre. Chef l'État a lancé un appel à moun k'ap construit dans pays a pour yo faire dans norme ak règlement. Palais national pose première pierre là n'tap faire 12 janvier 2018 là. Nous fait pose première pierre là mais faut tout moun connaît que l'op construit un immeuble ou pas ouais. Ça qu'a fait là mais grand pile travail qu'a fait grand pile monde qui dit bon président posé première pierre palais national depuis 12 janvier qui ça fait c'est raison que ça fait je dis là pour peuple là qu'on est même je nous prend arrêté qui pour mettre sous pied mouvement pour construction palais ça veut dire qu'il y a un compte qui pour ouvert à partir de ministère finance qu'a travail pour comment hein, pour respecter la loi qui va permettre nous ouvrir un compte côté tout le monde qui a participé, même jeunes dans la Cité Soleil qui ont payé 10 000 goudes, jeunes dans la commission jeunesse qui payent 250 000 goudes, chaque payé 25 000 goudes par département, ça veut dire que nous commençons à gagner un cob dans nous, mais nous pouvons côté pour nous déposer. Actuellement, nous avons plusieurs docteurs dans le niveau ça, en géosciences qui gagnent dans le pays. D'ailleurs, gagner en formation en master 1 et 2 dans la faculté des sciences. Côté n'a formé de jeunes ingénieurs dans niveau maîtrise en géosciences. Pour qui ça nous prend décision ça? C'est parce que nous avons une zone qui a pile risque sismique. Nous pas qu'on une zone comme ça pour que leur formation a fait dans l'université. Nous même l'État pour nous pas ouvrir nous pour nous garder ça qui a passé pour nous capable bien des formations adaptées à problème pays. Pose première pierre reconstruction par les nationales là fait 12 janvier 2018 là. Pour réaliser projet ça, chef l'État a installé un groupe de travail pour réfléchir sur construction palais 19 avril 2017 là. Ministère environnement organisé un atelier sur élaboration 6e rapport national sur biodiversité mercredi 11 avril 2018 là. Dans le cadre d'activité ça, directeur biodiversité dans le ministère environnement Michel Lui fait qu'on est atelier ça bral permettio améliorer processus décisionnel national yo bay rapport sur progrès qui fait dans tout pays. En suivant un bout dans déclaration Michel Lui dans micro d'Aline Dorival avec Michel Joseph. En cadre élaboration 6e rapport national ça pour que nous inviter tout le monde qui est concerné par la question de la biodiversité pour que au moins rapport national là li refléter non seulement progrès qui accompli en deux pays mais li refléter nous est capable dire que toute préoccupation ou bien toute activité que divers partenaires qui fait que ce soit des partenaires au niveau international qui travaillent en deux pays mais en même temps tous les organisations écologiques les organisations communautaires tout ça qui fait dans le domaine de conservation de la biodiversité nous voulons pour que 6e rapport là li refléter tout et peut-être ça dans cadre atelier là nous essayer rassembler que tout acteur ça pour que ensemble nous te lancer processus élaboration 6e rapport national ça. Donc question biodiversité il faut que nous dit les n'a parlé de biodiversité pour moun yo capable comprendre très clair. Villadan, c'est-à-dire que ces plantes yo, ces animaux yo, c'est tout écosystème yo, c'est tout ça qui gagne Villadan, c'est eux même qui constitue biodiversité. Biodiversité a son bagage qui est extrêmement important et pour nous et qui est important tout pour l'humanité. Le comité exécutif mouvement Alternativa présenté mercredi 11 avril là.
atelier yo réalisé dans Inch ak Bassinzim dans date 6 ak 7 avril passé à sur question climat ak environnement pays a. Activité ça a été déroulée dans l'idée pour sensibiliser citoyens yo sous protection environnement. Comité exécutif organisation Alternatiba fait plusieurs recommandations by autorité yo sur nécessité pour interdire circulation assiette en chrome yo cap détruit environnement. En suivant extrait dans micro Sainte-Croix Paki ak Moïse Wilbridge. Et pendant la période ça près de 2800 personnes étaient mobilisées pendant village ça. Et ensuite, tu as un ensemble de rencontres, d'activités qui te prévoient sur le terrain et que Mounio ouais, agriculture qui a fait dans la zone, expérience qui a fait et puis qui résultat qui est tombé. Et troisième bagaille qui fait dans la quatrième édition, c'est que c'est la manifestation de la mobilisation citoyenne sur question climat. Et il y a un ensemble d'acteurs qui sortent partout dans le pays, qui sont à l'étranger tout. Qui viennent participer dans l'événement ça. Et je crois que il y a des retombées qui commencent déjà à partir de dynamique alternative à ça. Il y a des retombées qui fait déjà, qui commencent pour la commune Inch et encore l'autre coin tout en dans le département centre. Pour les citoyens, exiger que l'État continue et respecter arrêté qui te prend pour éviter que braque manger qui. Je dis à mettre moun yo dans des situations difficiles, ni dans le canal, yo, ni dans la rue, mais tout surtout avec ça, yo mange nan yo, mange qui chok tombe nan yo, côté que l'éthylène pral très cancérigène pour moun sa yo. Donc, citoyens qui étaient engagés pendant l'événement ça, conscient, et yo dit, yo a continué signer pétition, mais au même tout, gen nan yo dans l'université qui prend un document qui a continué faire promotion pour genre de activité ça. Fon dit, Alternatiba, son réussite. Dossier FADH, député circonscription Mirbalea, Abel de Colline, mandé pour gain enquête qui menait sous qualité Moun, y a recruté pour remobiliser la MEA. Député a fait quoi? Mettez la MEA campée, c'est une bonne décision pendant l'histoire gain Chita Palais qui fait non mitant toute secteur en façon pour la MEA réussir dans sa vie toute nation. Un extrait d'Amico Colo Elisère ak Moïse Wilbridge. Nous prenons connaissance d'un communiqué haut état-major au recommandement l'armée d'Haïti. Nous prenons connaissance de communiqué ça, mais quelque part nous inquiets puisque communiqué a gagné une certaine confusion et c'est pourquoi nous croyons utile, opportun pour que le recommandement de l'armée yo clarifié prise de position ça. Dans ce communiqué, recommandement l'armée, la nouvelle et armée en tout cas, li considéré tout militaire démobilisé dans ancienne et armée qui était démobilisé au retour de l'ancien président Jean-Baptiste Aristide, yo considéré yo comme deux éléments qui fait partie de réserve l'armée. Bien évidemment, nous-mêmes, nous favorables justement à la remobilisation de l'armée d'Haïti. Mais tout comme responsable d'État, nous pas capables d'oublier ni ignorer les circonstances qui t'ont occasionné que l'ancienne armée t'ait gagné de dispositions politiques qui t'ait prend, même lorsque c'est pas constitutionnel, pour l'armée, l'IPAT opérationnel. Or, sauti yon communiqué qui, somme toute, prend nan en circonstance pour capable aider à ce que ancien militaire, puisque vous n'êtes pas sans savoir, dans des anciens locales qui étaient logés de caserne, que ce soit dans le plateau central, dans de l'autre département, bien avant arrêté président Jovenel qui relançait l'armée, nous connaît gagné deux anciens militaires démobilisés qui occupaient une série de espaces à travers tout département, à travers une série de communes et que des secteurs dénonçaient. Maintenant, le recommandement, lorsque le Soti communiquait ça, il y fait de toute
militaires démobilisés ça yo comme de réserve dans l'armée. Donc cela dit, yo fait partie intégrante de l'armée d'Haïti. Et c'est pourquoi nous dit nous inquiets et nous croyons il est important que gagner en clarification qui potait. Député 3e circonscription Port-au-Prince en printemps Belize a mandé autorité concernée prend responsabilité yo sous mauvaise situation cap développé dans 3e circonscription pendant dernier moment ça yo parlementaire a encouragé population entendu yo dans l'union avec la paix pendant scruté autorité au travail pour porter développement social bay population dans quartier populaire yo un extrait dans micro Colo Elizer avec Moïse Rubridge. Nous demandons la police pour responsabilité pour sécuriser la population et m'a profiter de ces circonstances pour me faire un gros coup de chapeau pour la police nationale qui prend responsabilité depuis il y a de cela deux jours côté qui a sécurisé la population et qui permet que nous soyons capables de vaquer normalement à l'occasion. Et je dis à la moi, m'a lancé un appel à tout le monde qui vit dans différentes zones dans la troisième. Pour me dire, troisième n'a pas besoin de coup de zame qui a chanté là-dedans. Troisième n'a pas besoin de division. Troisième n'a pas besoin de conflit. Mais troisième n'a besoin de voie unité entre toutes zones, entre toutes citoyennes dans la troisième.